souvenez de la vidéo de News du jour qui parlait d'une histoire du crédit dans laquelle l'ex-miss gabonaise sera impliquée. Nous avons désormais la version des fers de Jennifer Ondo. Depuis un moment, le nom de l'influenceuse a été terni sur la toile. Certains internautes ont pu profiter de cette situation pour lui lancer des piques, voulant à tout prix connaître la version de Jennifer Ondo. Il lui laissait même plusieurs commentaires sur cette histoire de crédit à chaque photo postée d'elle, mais c'était en vain. Elle répondait uniquement à ceux qui prenaient parti pour elle, sans toutefois donner d'explication. Après plusieurs jours de silence, c'est aujourd'hui qu'elle décide de nous éclairer la lanterne à travers une série de stories. Selon ses dits, elle reconnaît avoir pris de l'argent avec Caramel Chéri, qui est en partie responsable de la durée du remboursement dû au moyen de paiement. Aussi, à voir l'une de ses stories, l'influenceuse aurait commencé à rembourser son crédit en plusieurs transactions depuis le mois de février en 2019. Elle affirme par la suite que sa créancière lui aurait envoyé au final la somme de 6 800 $, soit 4 millions en francs CFA au lieu de 8 000 $, et ajoute qu'elle serait envieuse, jalouse et hypocrite, raison pour laquelle Caramel a décidé d'attirer cette affaire sur Facebook histoire de faire le buzz. Et pour terminer, Jennifer Ondo serait prête à aller en justice s'il le faut.